combien de jeunes, combien de stars musulmanes sont revenus vers Dieu grâce au professeur Amr Khalid. Ce professeur dit, j'ai reçu un message sous forme d'email de la part d'une jeune. Et dans ce message, la jeune dit, je suis une jeune qui s'appelle Sarah. Mon père est un Libanais musulman et ma mère est une Libanaise chrétienne qui ont émigré vers le pays de Venezuela. Après peu de leur installation dans ce pays, ils se sont séparés l'un de l'autre afin que chacun des deux parents se marie avec la personne qui lui convenait. Et je suis resté perdu et égaré. Je remarque que Dieu m'a accordé une beauté saisissante. J'ai commis une erreur en faisant un mauvais choix. Le mauvais choix, c'était le fait de participer dans le concours de la beauté pour devenir Miss Venezuela. Et à la fin, j'ai travaillé dans un bar et j'ai eu par la suite un ami avec lequel je sortais. Lui, il dit exactement un boyfriend. Et j'ai oublié ma religion. Et j'ai oublié même que je suis musulmane. Et je ne connaissais de l'islam par la suite que le nom. Et je ne connaissais par la suite du Coran que sa calligraphie. Un de ces jours, j'étais en train de suivre la chaîne parabolique LBC, la libanaise. Et je t'ai vu, oh Amr Khalid, en train de parler de la chasteté. Pour la première fois, j'ai ressenti la honte de moi-même et comme quoi je suis devenu une marchandise à bas prix entre les mains des voyous. Ma poitrine s'est apaisée, mon cœur s'est soulagé et je ne connais pas dans ce pays aucun musulman à part toi. Et après Sarah dit, oh Amr, est-ce que maintenant Dieu m'accepte, moi qui étais plongé dans les péchés et la désobéissance totale? Amr Khalid dit, je lui ai rappelé la largesse de la clémence de Dieu, sa grâce et son amour, son grand amour pour les repentis. Sarah par la suite a envoyé un autre message, je veux faire la prière. Mais j'ai oublié le chapitre Al-Fatiha. Le premier chapitre coranique, il est oublié. Je veux mémoriser un peu du Coran. Tout de suite, je lui ai envoyé, dit Amr, par courrier express, une copie de récitation coranique entière avec la voix de l'imam de la Mecque, Al-Sheikh Saoud Shirim. Trois jours par la suite, Sarah m'a écrit un message dans lequel elle dit, j'ai mémorisé le chapitre du miséricordieux, Ar-Rahman, et le chapitre de l'information ou la nouvelle. J'ai commencé la prière. Par la suite, elle a envoyé un autre message. J'ai abandonné le boyfriend. Je l'ai abandonné, je l'ai chassé. Elle a trouvé mieux que lui. Elle a trouvé Allah. Elle a aimé Allah. Au lieu d'aimer un voyou, Sarah dit, de la même manière que j'ai abandonné le boyfriend, j'ai abandonné le concours de beauté et j'ai abandonné le travail dans le bar. Le professeur Amr dit, et la jeune Sarah a commencé à se concentrer sur Dieu avec toute sincérité. Elle s'est retrouvée parce qu'elle a rencontré enfin son Seigneur. وانتشت روحي وصارت دمع وردي.